Salut Léon, j'en ai marre de toujours entendre que pour réussir, pour avoir ce qu'on veut et tout, il faut changer. Il faut changer de vie, il faut changer notre personnalité. Voilà, il faut changer toutes les. Voilà, il faut tout changer. Alors que tu le sais, je suis sûr que tu le sais au plus profond de toi, que tout ça c'est archi faux. Qu'au contraire, il faut, comment dire, s'accepter, s'assumer tel que l'on est et vivre sa vie telle qu'on le souhaite. Voilà, en ne cherchant rien à modifier. Voilà, de voir que ta vie, elle est finalement parfaite. À ce moment-là, voilà, tu te libères de toutes ces mauvaises croyances qui te conditionnent. Et voilà, et tu t'empêches plus de, comment dire, de faire ce que tu aimes, de te montrer tel que tu es, que ta puissance, elle vient de là. Voilà, parce que changer de vie, c'est n'importe quoi, c'est vraiment une croyance qui vraiment, comment dire, voilà, qui voilà qu'on comment dire qu'on cherche tout le temps à croire, à valoriser, parce que ça nous arrange, parce que ça arrange la plupart des personnes, voilà, de croire qu'on peut changer de vie. Et surtout, voilà, ça profite, voilà, à cette société, parce que voilà, que si on te dit que voilà, que ta vie est bien, que ta vie est parfaite, que t'as rien à changer, eh bien là ça va pas être vendeur, qu'en fait on va te dire bah, ok merci, au revoir. Alors que si on te dit voilà, non mais il faut changer de vie, c'est vrai que t'as raison, ta vie elle est pourrie et tout, et que voilà, on continue à te faire croire ces choses-là, et eh bien voilà, c'est work pour les autres. Voilà, c'est pour ça que voilà, il faut vraiment, ouais, je me suis vraiment aperçu de ça, que vraiment, que voilà, le monde, voilà, que le problème ne vient pas de soi, mais dans le monde dans lequel on est. Et c'est pas pour autant qu'il faut comment dire, se mettre encore en mode victime, quoi. Être en mode victime, soit sur ta vie pourrie, ou soit les autres te, comment dire, rendent ta vie pourrie. Non, faut pas, voilà, quelles que soient les circonstances, ça sert à rien de se mettre en mode victime. Au contraire, justement, il faut voir ça justement comme des épreuves, justement comme des épreuves. Il faut pas voir ça comme des murs, comme des choses qui vont t'empêcher, mais des choses qui vont permettre de te surpasser. C'est au moment où tu prends conscience que ta vie elle est parfaite telle qu'elle est. Prends conscience de tes valeurs, de ton potentiel, de tes talents et surtout ta mission, de ce que tu veux, de ce que tu souhaites réaliser. Que tu lâches prise sur tout le reste, que voilà, que tu t'aperçois, en fait, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment une fois que tu t'acceptais que tu étais, tu te sens puissant, parce que tu prends conscience que dans cet état-là, quand tu es dans cette démarche-là, et ben tu vas réussir, quoi. Tu vas réussir. Moi, j'ai toujours eu ce sentiment-là quand je faisais les choses telles que je le faisais, telles que je les aimais, telles que j'aimais les faire, telles que j'aime les faire. Et bien, c'est dans ces moments-là où j'étais dans une grande énergie et que je réalisais de grandes choses, quoi, que je me surpassais. Et c'est là tout l'intérêt de sortir, voilà, de sortir de ce moule, de s'autoriser à penser, voilà, de s'autoriser à penser par soi-même, faire ses propres choix. C'est la clé pour prendre en main ta vie, prendre tout ce qui t'arrive, toutes les expériences qui t'arrivent, comme matière à te réaliser. L'impossible devient possible à un moment où tu crois et que tu passes à l'action, et peu importe ta situation. Exemple pour moi, est-ce que j'aurais imaginé un jour me tenir comme ça là devant toi, en train de dire ça? Est-ce que j'aurais cru un jour réussir à me sortir de mes souffrances, t'aider et t'inspirer? Est-ce que j'aurais cru un jour faire ce que j'aime, avec qui je veux, quand je veux, alors qu'en permanence, dans mon entourage, on te rabâche le contraire, que c'est pas possible, et tout et tout. Tu es un héros dès l'instant où tu crois en toi et en tes rêves. La solution ne se trouve nulle part à l'extérieur, mais en toi. N'hésite pas à t'abonner et à dire ce que tu en penses en commentaire. À la prochaine. Bye bye.